Face à l'opinion spéciale campagne électorale, aujourd'hui, Bakwa Kolanda Biso partout à travers le monde, Toza Bongo, sixième jour de la campagne électorale, Outa et Bandi, na étendu la République démocratique du Congo, Tozo faire vivre Bino ba événement, Ndenge Zali Ko Salema. Mais Congo Buzz Télévision, Ezo faire découvrir Bino Pe Bayi au Bazali Ko Senga Loboko, Ponda Kokambambo, Kalobi, ba candidat députés nationaux, provinciaux, mais aussi ba candidat président de la République, Lelo, Toa Mbele Bino. Moto a boyebi malamu malamu penza o penza na koki ata ko présenté binote kasi po mosala esengi yango toyambeli bino coordonnateur général ya société civile Azali qui récemment nommé na ordonnance présidentielle lokola PCA ya la voix de la congolaise de voix maritime Azali spécialement le loto ya mbeli bino ye lokola candidat député na ngambo ya Lukunga national pe na ngambo ya Barumbu lokola candidat provincial yenani ndeko Christophe faire ngoi mutamba ayebi histoire a vivra histoire kasilelo a ko expliquer biso nyoso o yayebi mona mboka mbote pe boyola mbote mama nazanga mokote lokola bomesano boyebi kenazana ko ekipier na ngai moko ya ba journaliste ya Congo Buzz Télévision de Kodanzan mbote mona mboka. Bonjour madame Naomi, bonjour Monsieur Christopher Ngoy, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous espérons qu'on passera un très très bon moment dans cette émission. Plaisir, chère dame. Merci, Cor. Activiste de droits de l'homme, membre de la société civile, Lobi Moleki Ozalaki, prisonnier politique, à l'époque, il y a régime Oeleki, Lelo de Christopher Ngoy, ce qu'il faut résumer, c'est une démocratie, et ça est Tambola sous régime Tshisekedi. Kitoko pambate bomona ki loboko oyo président Tshisekedi a kabola ki na candidat président mususu Martin Fayulu bona lobaka toujours na politique ezakande lisano ya mayele. Vous avez un ennemi. Vous avez dit que Mayele. Donc, vous avez dit Mayele. Oyo avez ya Mutuya Elonga. To ezwa eza likolo. Oyo eza tina teza anase. Pambate ya ngonde koko bongisa mboka. Démocratie na mboka na biso. Oyo Biangami et République démocratique du Congo. La démocratie est l'identité nabiso, l'amba nabiso, la vareuse nabiso. Zokande est très bien pas. Elle est comme laï. Mais les loyaux, ils ont zela. Tokoloba, ils ont zela pambate, pour eza n'a battu babunde liang. To babundi po Congo ezala solo Congo démocratique. Tozo na nzela ya malamu solo mais bazolo bela ba arrestation, violation des droits de l'homme, mingi ya ba journaliste, ba politique ndeko Salomo Exadela, bandeko mwa mingi yo bazali na kati ya boloko, mingi bazomona ndeti makambo yango échangé penza te ndeti na tango ya régime oyo zalaki victime. Boloko ezali kamabe. Toko tombe la te ndekoto moninga aza nesika wana zesika mabe ngana ebi pona nini kasi demokrasi eza pe na esika nango mususu po esengeli ke etat de droit ezala stadi mibeko ezala balandisa yango to balandela yango ezala pe na motu soka sali etumbu. Justice ou ezali pouvoir à part entière. Et bah, ça, la moussa na yango, bah, y politique, bah, quoi, t'en a kati kounate, ou justice à kozoa, le quoi, le tombe to mokan, bisogno son bon mou mibapto to baka, nul n'est au-dessus de la loi, moudata moko azali kola mou pekoli konzite,
ce qui justice à Kateli Mutetumbo, to Azolan de la Moutou, surtout Sengaga toujours, d'abord justice sur les Ramalam, Yami Balé, Basal Moussala, Bahouna Ndenge Sengeli, Moutou, ce qui Azan Mbeba, Bapese Tumbo, Sozan Mbebate, Batikaye, d'autres termes, en tant que défenseur des droits de l'homme. Les lois, ce qui Azan Bapazi Sangoumoussous, Nabolandi, Mabongisia Mobeko. Mabuki Mobeko. C'est pourquoi Pisate, Balanda Bango, Balandela Bango, parce que Kabazamba, Bapanzi Sango, Bako Simba Bango, Tesso Bosimbi Bango, Bapanzi Sango, Nyon, Sobako Telema, Obelela, et Pesimbindo. Non. Et Sengeli, tant que tu sengi Mbokoyo, Ezala, État de Bois, Nanetro, Nalopoto, Ezala, paix, un pays démocratique, ou démocratie, Ezala, ou Lamba, Abiso. Et Sengeli, Pisson, c'est tout ça, c'est un mauvais côté, et Bako Tosayango. Pourquoi cela m'a-t-il gamboté? Pourquoi ça s'en va à l'okutate? Pourquoi cela m'a-t-il gamboté? Gamboté? Nyoswana, Ezala, Bazola, Tsangoto, Tuzola, Ndelango, Petuzosalango. Mais en termes de droits de l'homme, entre régime et l'Ekina, régime ou Ezali, les lots, différence et apaisane. Des places dans les liens à la com. Les lots, Tuzomo, Nassoy, Moutoua, Sali, Likambo, Toua, Bouki, Moubeko, Bazo, Sambisae, Bazo, Katele, Tum. Dans le régime où il y a des cas, il y a des il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en beta, mbula mobimba. Donc une année, 9 mois. Na sambate. Na sambate pour bazo kota boye, babimi boye, ainsi de suite, balingi presse, bino va penser ça. Tant que vous enlevez un gars, il y a des enlèvements. Parce que justice, c'est un guérisseur, nous avons salim beba, et ça n'a pas procédure. Pour que c'est un guérisseur, il y a un guérisseur qui a été en même temps, on va tirer ma boue, il faut tirer ma boue, on va avoir justice. Mais, l'enlèvement, déjà, il y a un mabé. Pour que vous enlevez mon tour à boutou, vous m'aimez ici comme moko, vous torturez, si ma nango, vous voyez qu'on a devant, vous pensez sango. Et puis, si ma 20 jours, des bottines de scoyo, devant justice, il faut faire déjà consommer. Alors, il faut faire consommer. Alors, Bilzaleli wana, nangongo tozoloba. Et Bongwani. Et Bongwani. Alors, quel est... Je suis mieux placé pendant que l'on Bongwani. Est-ce que vous partagez le point de vue du chef de l'État aujourd'hui qui dit que la justice détruit la nation? Si vous dites qu'il y a changement, lui qui dit que la justice détruit la nation, est-ce que vous partagez le bon point de vue? Je vous dis que là, je me suis attardé sur les procédures. Parce que quand vous enlevez quelqu'un, même si in fine, vous l'amenez devant la justice, mais vous avez déjà violé certaines dispositions-là. Et aujourd'hui, la justice, en termes de procédures, il y a des procédures qui sont plus ou moins respectées. La manière d'interpeller, on invite les gens. Avant, ce n'était pas ça. C'était des mandats qui circulaient, des mandats-là furtifs. C'est-à-dire, on vous attrape et l'objectif, c'est de vous enlever. Parce qu'une fois qu'on vous arrête, la première question, quand celui qui vous a interpellé informe à ses autorités que voilà, je l'ai, je viens de l'avoir, la première question, c'est de savoir est-ce que les gens ont vu. Eh bien, quel cas viendrait-il si les gens n'ont pas vu? Et si on revenait en... Alors, maintenant, cela fait que nous allions de violation en violation. Toute la procédure, la suite était erronée. Maintenant, on interpelle les gens, ils sont traduits devant la justice. Mais la justice est dite au nom du souverain primaire. Et tous nous sommes conscients que quand il y a un fait qui fait que la justice se saisisse d'une personne, et c'est-à-dire dans la phase préliminaire, il y a des indices. Il y a des indices. Et quand on arrive à inculper quelqu'un, c'est-à-dire il y a des indices sérieux. Et lorsque la justice arrive par certains mécanismes, parce que dans le droit, il y a tout. Et on va vous dire qu'on va absoudre, on parvient à absoudre cette personne-là. Et devant la désapprobation de l'ensemble de la communauté pour laquelle la justice est dite. Et c'est là où le président dit que la justice est malade. Parce qu'il y a eu des cas avérés. Où l'on a vu, il y a eu... Sous le mandat du président Tshisekedi, il y a eu des cas d'enlèvement également. Sous le régime du président Tshisekedi. Oui, oui.
selon vos positions, Ndeko Frank Diongo alobaki yango que quand l'enlèvement est allé moins bien. En tout cas, je peux parler de l'insécurité. Il y a l'insécurité parce que les gens ont été enlevés dans le taxi, pour éviter de enlever. Il y a eu une crise, écoutez, le cas y a Banini, Rogan, ainsi de suite. C'était des enlèvements incontrôlés, qu'on ne savait pas qui enlevait qui. Et dire que le système tel qu'il est là, on enlève quelqu'un, porté disparu. Après, le gouvernement sort pour dire que nous l'avons, c'est nous qui l'avons. On peut revenir. On a pris ce genre de cas. On peut revenir en 2015, quand vous étiez pris à Kalamu. On ne savait pas où vous étiez. Après un moment, on a vu l'ancien patron de l'ANER, Kalev Mouton, venir dire sur la place publique que vous étiez détenu par ses services. Oui. Est-ce que vous aviez introduit une plainte contre lui, contre ce monsieur? C'est que j'aimerais savoir, les jours où les gens ne savaient pas où vous étiez, est-ce que vous étiez torturé? Vous étiez maltraité par ses services? Qu'est-ce qui était passé ce jour-là? La première chose, c'est que on m'a enlevé. Et lorsque je dis que ceux qui vous enlèvent, lorsqu'ils donnent l'information qu'ils venaient ou qu'ils viennent de vous interpeller, on leur pose la question, est-ce que les gens ont vu? Lorsque on dit les gens ont vu, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et on commence à se demander où est-ce qu'il faut vous amener. C'est-à-dire, si les gens n'avaient pas vu, on ne vous aurait pas amené. Il y avait un endroit déjà préparé où on devait vous amener. Peut-être c'était pour une exécution sommaire. Mais lorsque on dit, voilà, les gens ont vu, on commence maintenant à se demander où l'amener. On dit, oh, attendez, on va vous donner la directive. Et après, on vous dit, bon, venez à telle direction. On m'a amené à la direction générale de l'ANER. Et là, quel accueil! On dirait que je croisais des gens sur la rue, des Koulouna, qui me disent, écoutez, Christopher, vous avez exagéré, cette fois-ci, nous allons vous exécuter. Nous allons vous exécuter. Ce langage-là, dans une institution publique, c'est surprenant. Et ce soir-là, il y a eu une grande réunion qui s'est tenue, avec beaucoup de hauts responsables de l'ANER. Mais en fin de compte, ils ont décidé, je ne sais pas ce qu'ils avaient décidé. Mais ce soir-là, ils sont allés monter les prisonniers, les détenus qui étaient dans le plus grand cachot. Ils les ont montés pour leur dire que, écoutez, nous allons faire entrer quelqu'un ici qui a semé la pagaille dehors, qui empêche que les inspecteurs qui traitent vos dossiers puissent venir travailler, les vider afin que vous soyez libérés. Et dès qu'il entre là où vous êtes, vous devez lui réserver un traitement cruel. Et c'est après qu'ils vont me prendre pour me dire, bon, monsieur Christopher, venez, enlevez vos chaussures, et ainsi de suite. Et lorsqu'on me plonge dans cette salle, je trouve que à 1h du matin, tout le monde est debout et agglutiné devant l'entrée. Tout ce que j'ai compris, que non, ça c'était quel type d'accueil. Et ils avaient l'allure de vouloir m'agresser. J'ai pris mes responsabilités, je suis entré en me disant, bon, je vais faire face à tout ce qui adviendrait. Donc, ils vont, on va se bagarrer, si m'attaquent, on va se bagarrer. Et en fin de compte, je finirai peut-être par perdre connaissance et tout ça, ils feraient le reste. Mais je suis entré comme un homme. Ils m'ont frayé un passage jusqu'au fond là-bas. Je me suis retourné. Nous avons commencé à nous regarder. Et cela a pris à peu près 5 minutes. C'est alors que, parmi eux, à un certain moment, ils ont commencé à chuchoter, à se chuchoter entre eux. Et puis, quelqu'un va dire, mais est-ce que vous n'êtes pas M. Christopher des droits humains? Je dis oui. Et il demande, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, non, je suis arrêté. On venait de m'enlever. Il dit, on vous a enlevé, vous? Oui. Défenseur des droits de l'homme, oui. C'est que nous ne sortirons plus d'ici. C'était la pagaille. Pourquoi? Parce que en cet instant-là, j'avais 3 dossiers des détenus de l'ANER que j'étais en train de suivre, dont les membres de famille étaient à l'extérieur et qui me demandaient de suivre. J'étais en train de suivre ces dossiers-là. Et ils ont paniqué. Et l'autre a dit, ah, donc c'est de vous qu'on est venu nous dire ici. Non, non, ne dites pas ça et tout ça. Et qu'est-ce qui va suivre? Ils sont restés tétanisés. Et puis, ils m'ont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire? Je leur ai dit tout simplement, prions.
Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais envie de prier. Et je me suis mis dans mon coin, j'ai commencé à prier. Tous aussi ont commencé à prier. Et je crois qu'il doit y avoir des caméras, si pas des micros. Et voyant que le montage n'a pas réussi, il fallait me déplacer de là tout de suite parce que j'ai dompté les détenus. Et je pouvais aussi les dresser contre eux. Ils ont dit qu'il faut l'enlever de là. Et ils ont décidé de me déplacer de là pour me mener à un autre endroit. Et la raison avancée par le directeur de cabinet de M. Kalev, c'était que, parce que j'ai refusé d'aller, tout de suite je me disais, on me sort maintenant pour aller m'exécuter. Et je risque de partir, et ceux qui sont restés croiraient qu'on m'a libéré. Mais il faut qu'ils soient informés, parce qu'on a déjà sympathisé, il faut qu'ils soient informés qu'il y a quelque chose d'anormal qui serait ou qui est en train de se développer. Alors, je leur ai dit, à 7h, je ne me déplacerai pas avec vous. À moins que vous me preniez par la force, et je veux résister. Je veux résister, j'étais prêt à résister. Je n'allais pas quand même mourir comme un mouton. Alors, le gars a regardé, il a vu ma position, il a formé un numéro, il a appelé quelqu'un pour lui dire qu'écoutez, M. Christopher refuse de partir à 7h. Et il dit, à moins qu'on le prenne par la force, et il va résister. C'est ainsi que celui-là a demandé à me parler. Et on m'a passé le téléphone, et j'ai quelqu'un qui me parle, là, courtoisement. « Christopher, on ne sait pas combien de temps tu vas passer entre nos mains, mais nous voulons t'amener à un endroit où tu seras un peu plus à l'aise. » Un peu plus à l'aise, j'ai demandé, mais c'est où? Ils m'ont dit, non, c'est, je ne vais pas citer le lieu. Alors, et d'ailleurs, tu y as déjà été à 2 reprises, parce qu'ils avaient ma fiche. Et je me rappelle que la dernière fois que j'y étais, il y avait une cellule, on avait aménagé une cellule VIP, où était logé même un vice-gouverneur qui était arrêté à cette époque-là. Tout de suite, l'idée m'est arrivée de dire, ok, peut-être ils vont me placer là-bas. C'est ainsi que j'ai demandé, mais pourquoi à 7h? Il me dit, oh non, vous savez, les détenus de votre... à Kaby, on ne les déplace pas à n'importe quelle heure. Et soyez rassurés, je serai même, celui qui me parlait là, mais rassure qu'il serait même dans le cortège qui va m'amener là-bas. J'ai dit ok, c'est ainsi que j'ai accepté de partir. Arrivé là-bas, c'était le contraire. Ils m'ont placé dans la plus mauvaise cellule, la première cellule, qui jouxte avec les toilettes. Et les gens qui étaient là étaient mourants. Et sur place, là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait une dysenterie qui ne dit pas son nom. Qui ne disait pas son nom. C'était des gens, ils avaient mangé de nourriture avariée. C'était le riz. Et les gens défilaient comme ça aux chottes. Et dire que les besoins, pendant la nuit, ils les faisaient dans des cellules, à l'intérieur des cellules. C'est la journée qu'ils vont avoir la possibilité de sortir, d'être amené ou d'être autorisé à accéder aux toilettes. Mais imaginez maintenant l'odeur que vous sentez à ce moment-là. Ce qui fait que à la 5e cellule, il y avait des tuberculés. Et tous ces tuberculés-là venaient de la première cellule. Et j'ai eu quand même le courage de demander au directeur de détention. Parce que l'endroit où l'on m'isolait, c'était devant son bureau. Je n'ai pas devant la caméra, il me voit. Je lui ai demandé, il a eu commis l'impudence de venir quand même parler avec moi. Et je lui ai posé la question de savoir sous quel régime carcéral me tenait-il des gens dans des conditions pareilles. Des tuberculés qui ne recevaient pas de traitement. Et les gens étaient complètement de là. La pédiculose sur tout le corps. Une espèce de mycose hein, sur tout le corps. Et vous voyez les gens, j'ai trouvé même un gars là, qui était professeur assistant, bon, je ne veux pas citer. Et il était là. Il était là, j'ai trouvé des étudiants, j'ai trouvé des enfants. C'était inhumain. Quand j'ai interpellé ce monsieur, il s'est énervé. Vous ne connaissez même pas votre sort, vous venez me poser ce genre de questions. Vous voulez faire le droit de l'homme ici. Et il s'est énervé, il s'est mis debout, il est parti. Et un jour après, et il va il viendra me voir pour me dire voilà, on va vous. Non. Là, il est venu me dire, me donner la réponse hein, sur le régime carcéral. Il me dit le corps carcéral qui nous régit jusqu'aujourd'hui remonte à l'époque coloniale.
législateurs congolais n'en ont pas encore changé. Et retenez que ceux qui vous entêtent avec l'histoire des droits de l'homme, c'est eux qui ont construit toutes les cellules là où vous êtes. Mais et c'est a vu une année 9 mois là-bas, sur constance. Une année 9 mois, dont 5 malades, donc, dans l'hôpital. Mais tant que empoisonné. Tant que bimi, est-ce que après Olandila qui que bah ici qu'il y a bongo bah tout mosusu topé quand on a marqué de quoi t'attends mon candidat mais quand on a bimi tant que comment mon candidat bah prisonnier c'est miki on a au kangang. Les Cambodgiens qui bougent. Mango sur le rôle de Mainga Plasman et que Babou Minga était. Bango mon nous avons quoi comme argent bah au sol là. Oui, mais tant que vous avez un yaboye, vous avez un peu de temps, et si vous avez déjà un peu de temps, soit vous avez un peu soit vous négocier un peu de temps. Mais si vous avez négocier un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de problème. C'est ainsi que vous avez bah même un docteur, un infirmier, bah ils sont co-examinés, bah malades non soit zakiwana, bah zui presque plus de la moitié parce que c'était des mourants, bah zui bah on va quitter dans l'hôpital, kuna bah zongi sera kamuke, on soit dans zaki hospitalisé. Dieu merci bah banda ils reçoivent traitement. Et puis bah ils sont salani ni bah détenu bah zakiwana, bah sans bagaté. On t'a causé à la vente 2 ans. A éviter, à s'embarrasser, dossier n'a pas été. Mais moni, bah, nommé Batou, Poba, bah, inspecteur, pas bandesco, bah, zoé même au Koutouna. Nan, a ébi, kazan, dossier, bah, benga, ka été, à vendre, à gaboye, et tout ça. Bon, bah, toi, zoé, mouana, de, bah, bah, nous, ça, le dossier. Alors, jusqu'à ce que, pour moi, c'était une victoire déjà, dans ma condition. Là. Parce que, moni, bah, nous, on se traitait Batou. Babandi ko lesa batu bile échangé et puis babandi ko sami sabatu mokolo kaka na longoli makolo na ngai esika wana parce que mema kinga d'abord na chose direction générale ANR pour soi-disant on a rencontré mon conseiller bango Kalev na rencontré mokolo wanate lobi nango ne ba mema na ministère et intérieur au ba présenter ngai devant bino babandi sango na batu gouvernement bazaki wana tango bazo sala opération wana. Mbala moko po baye baki ke ngana koloba. Na kufanda kimiate. Mbala moko balongoli ba kange minyo so wazai na bisika wana. Balongoli bango musu batindi bango na ndolo. Musu batindi bango na makala. Batindi bango bisika ebele. Kuna itikalaka vide. Si ve, si ki fe ke ta wana komi na makala. Na kuti batoyo na monaka nesika wana. Na kuti bango basi batindi wana makala. Bango de bebisika antuka. Eloko yo salaki wana. Nde salaki ke. Tant que vous avez eu le Congo, vous avez eu le biso, parce que vous avez eu le biso, vous avez eu le biso, vous avez eu le biso, vous avez eu le samba, ce qui est tombé, vous avez eu le biso, ce qui est tombé, vous avez eu le biso, vous avez eu le biso. Pourquoi avoir porté plainte à Kalev Mouton? Parce que vous aviez initié une plainte à un moment, oui. Quant au Kalev Mouton, pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que Kalev, sa hargne à sévir sur les droits des défenseurs des droits de l'homme, remonte à l'époque de Floribert Chebeya. Si vous allez au parquet général de la République, vous trouverez qu'il y a une ou deux plaintes qui étaient déposées déjà à cette époque-là par Floribert Chebeya. Et ils l'ont finalement tué. Et j'ai toujours pensé qu'il n'était pas étranger à l'exécution de Floribert. Et j'ai porté plainte parce que j'ai été torturé. C'était pas... Bon, le service, bien sûr, on peut dire qu'il est à la tête du service, mais là, il y avait une touche personnelle. Lorsque son directeur de cabinet, c'est lui qui me parle, lorsque lui-même vient me parler, avant qu'on me présente à la presse, c'est lui qui vient dans le bus fourgon où j'étais, on fait sortir tout le monde, même le chauffeur. Et nous sommes retrouvés face à face à deux. Et nous avons échangé avec lui. Avec Kalev. Avec Kalev. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais écoutez, je ne peux pas vous dire ça. Mais bon, il faut du temps pour que je vous raconte tout ça. Mm-hmm. Mais retenez que il a reconnu. Hein, parce qu'il m'a dit que à l'étape où vous êtes, estimez-vous heureux.
Et puis, je ne voulais pas, je n'ai pas voulu avoir votre sang sur mes mains. Alors, vous comprenez que je n'étais pas quelqu'un qui devrait vivre. Lui-même s'est sorti de sa bouche. Et il m'a dit, même là où vous irez, nous avons le contrôle. C'est-à-dire, il contrôlait même la justice. Et si vous voulez être relaxé, ou comment on peut trouver un arrangement, demandez à un membre de famille de venir me voir, on va trouver l'arrangement. Ça, je suis parti, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah bon? Donc, ça ne sert à rien même de comparaître. Parce que je veux comparaître pendant que je n'aurais pas fait allégeance, je n'aurais pas accepté ce qu'ils veulent que je fasse à ce moment-là. Ça serait me faire condamner donc d'avance. C'est ainsi que j'avais refusé de comparaître. Pourquoi? Parce que ce monsieur était nuisible. Et il n'avait d'ordre à recevoir que du président de la République. Même le procureur général de la République, pendant ma détention, pendant que j'étais porté disparu, avait insisté suite à la pression. Il lui avait dit, si ce monsieur est chez vous là-bas, envoyez-nous, mettez-le dans le pipe officiel de la justice. Il avait refusé. C'est après, quand il a voulu le faire, qu'il va m'envoyer chez le procureur. Kabangé Nombi. Je ne sais plus si c'est Kabangé, si c'est qui, mais parce qu'arrivé là-bas, tout le monde était subi, on dit, mais on cherchait ce monsieur, même nous. C'est-à-dire, même le parquet général de la République ne savait pas où j'étais. Ou savait où j'étais, mais le monsieur, comme il était très imposant, personne ne pouvait le dire. Parce que même le parquet pouvait dire que non. Mais vous avez porté plainte, ensuite, Kalef Mouton et Kendaki en cavale, après, aux UP Gand des Costés, est-ce que Etumbanoé est porté Bafri Nango? Il y a Akimaki, non. Akimaki a potisé le camp. Et comme on dit que le régime est en train de se faire. Mon objectif en moi, c'était que Bakanga immédiatement. Je suis défenseur des droits humains. L'automne, c'est dit que Abima et Sigazali, Aya Totel et Mabouye, Tosamba Naye. Tosamba. Ce n'était pas que Bakanga, Basale Mabe et tout ça. Mais il y a Miki Misaginan, Miki Melaginan. Bon, alors, si Manango et Siga Kende au Batama, tant que Monique et Kunape, moi, Mobulu et Koti, Mobondo, Banin et tout ça, Nde Ayaki Obima. Ayaki Obima. Mais dossier, ça toujours la justice, il est là. Si Masengi Bolimbi, si. Asengi Bolimbi, si. Mais Ngaï, Kino Lelo, Nakolanda, Baye Bakufa, Bachebeya, Banan et tout ça, Ngaï Nazan Abomo, Yako Senga Bolimbi. Mais Kasiba Bakufa. Vous ne pouvez pas le pardonner, vous, personnellement. Vous l'avez déjà pardonné. Au nom de ceux qui sont morts. En tant que chrétien. En tant que chrétien, au nom de ceux qui sont morts, nous avons commis à pardonner. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que nous avons eu le cancer de Chebeya, nous avons eu le qui n'ont pas eu cette chance-là que moi j'ai eu. Qui n'ont pas eu cette chance-là que moi j'ai eu. Bah, tu as beau, il faut qu'on rassemble. Parce que dans mon équipe, on a mon comme hôtel, mais le rôle est de hôtel, mais pendant la démocratie, ou à qui nous manifestons, ou démocratie, et tout ça. Des places, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de atelema, comme il peut go ganga, ou boue na boue, a zon ipe nanda kwa ke go vanda, et loko basa yko boue la biso. C'était méchant. Mais na ou esale me la ki onakala, na ou esale, ezo sale ma lelo, bande ko ebele, babande ko koko kanisa liwa ya fe, cheribe onkende na ya ndeko sebe, ya loko la défenseur des droits des hommes, comment est-ce que ezo sale la lecture na baliwa anami bale? Eza ne mo gote maman. Chérubin Okende, c'était aussi un ami, chérubin. Tu as aussi un ami, c'est comme mon église catholique où il y a eu peine, à côté de étudiant. C'était un ami. C'était un ami. Chérubin Okende, Liboso, tant que le gouvernement, on suivait. Tout le monde a dit que Azaï Soukoyo Kanana, Ningumba Azaï Nakatite. Azaï Soukoyo Kanana Bangote. Si Manango a eu comment on a lu,
balobi o voilà ba bengisa kie ba convoca kie et tout ça mais na bolandi ba ba peleve oyo bazo lakisa et ska ba benga kie ye moko koma ye mukanda ezay susu mokolo wana te ainsi de suite et puis moi moli les ali yangwana justice azwa makambo wana na maboko kino le lois olandela biso to yebina nou suite na ngote alors oya chebe ya ba bengisa ye na bato John Numbi na Kabila wana zola na Bolandia et Malobaya chose Paul Mwilambo John Numbi na Kabila ba bengisa ye ba me akenda na inspection générale ya police ba bomaye ba bomaye bato ba bomaye ba ebani ba kesango ikenga kenga lelo ba kangai aza na ndolo bazwaye bakenda kovande se na kati ya mutuka bolumbu batie basuki ya basi ba ba, ba kapota kobeba ainsi de suite po bakosa population bakosa ba population ba lobano akendeta mususu makambo ya mwasina mobali ndaye kokuta na likama et puis bazwa chauffeur na ye Fidel Bazana ba bomaye selon témoignage de Paul Mwilambo, il y a un moment où il y a un moment. Parce que, ordre de que, Bobo Machebe, il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a parce qu'on s'est promené aussi ensemble, il y a un moment où il y a un. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, si vous deviez donner un conseil au président Tshisekedi, dans le cadre de respect des droits de l'homme, ça serait quel conseil? Lui-même est un défenseur des droits de l'homme. Et il maîtrise bien le lexique, le défenseur des droits de l'homme. Ça, moi, je le redis. Parce que dans un macamo, ça va être bien. Il y a pas à y en a quatre, on a toujours bunda. On défendait ensemble, tout ça, on a toujours échangé sur tout, tout ça la boue, tout ça la boue. En commençant par son père. Elle est chez Béa, dans le modèle de Bogondi Maté. Mais, quand on a zota là, les lois battent au bunda dans le bango. Mon corozo, quand on a zota là, tout ça là qui n'a maman yem. L'avant-midi. On est à l'exécution sommaire parce que Batinda Batona Mandou qui va bête à Masbabet Abso Massasiboui. Tout ça qui n'a pas ministre des droits humains. Fabrice Pouela. Tout ça qui n'a pas Martin Fayoul. Tout ça qui n'a Albert Moleka. Tout ça qui n'a Franck Diongo. Tout ça qui n'a Kofu Ingila. Tout ça, c'était ce staff-là, quand j'ai dit, il faut dans la ronde, il y a la morgue, il y a la hôpital, il y a la batouboni, bazouki, batouboni, bakoufi. On dirait dans le cas qu'il y a. Alors, on va parler maintenant de votre candidature à la députation nationale à Lukunga et provinciale à Barumbu. Quel est votre, comment comptez-vous apporter, quel peut être votre apport en tant que député, futur député national ou même député provincial à Kinshasa? Bon, d'abord, je suis habitant de Barumbu. Je connais très bien cette commune et président des notables de Founa 1. Okay. Ouais. Donc, j'ai vu Barumbu se détériorer, se délabrer. Aujourd'hui, Barumbu ressemble à un village. Alors que nous sommes à côté de la ville. Barumbu, c'est le prolongement de la ville. Kinshasa, Lingwala, ça c'est... On peut dire que ce sont des communes qui peuvent être, faire partie de la ville, être considérées comme faisant partie de la ville. Mais c'est le contraire. Lorsque vous êtes à Barumbu, vous trouvez qu'il y a des immondices partout. Il y a des flaques d'eau partout. Les routes arrivent au bon marché. Vous trouverez que bon marché était asphalté. Et c'est un quartier prisé par des Libanais, des Indiens et autres. Allez-y aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a des routes, il y a même des nids de poules, des flaques d'eau impossibles. Alors, Barumbu, aujourd'hui, il donne l'image d'une commune abandonnée. D'une commune abandonnée. Vous pensez que par votre élection, cela peut changer facilement? Mais comment cela pourra changer? Cela pourra changer par l'impulsion que je vais donner et, à l'Assemblée provinciale. Qui va faire en sorte que qu'on ait d'abord un bon gouverneur,
C'est important qu'on ait un bon gouverneur qui va intégrer plusieurs aspects dans le cadre de l'humanisation de la ville et même de l'ordre qu'il faut établir. Population n'est pas jugée. Mais le temps aux autres temps, on a beaucoup à Kinshasa, on a beaucoup à Kinshasa. Aux autres moments, on a négé Kinshasa ces années. Ah, on a zolo, mais là, on a Barumbu. Tant aux années Barumbu, Banzela n'y ont surtout pas qui. Parce que ma Congo, le Isaac a asphalté. Kasa Yohana, les lois sont impraticables. Pourtant, ils sont venus moko, Banda, Babelge, Batika Yango, et ils aient coupé batte. Les lois, ils ont sous moyen de les garder. Parce que Barumbu, Kasa, Attako, Fatia tient béton en gamme. Mais etikali sikamoka ikolokuna ebukani bazo bongisa kutu te sali somi ya kosana. Le Barumbu de l'époque de Kabila et le Barumbu de cette époque, vous préférez lequel? Non, posez-moi la question le Barumbu de l'époque de Mobutu. Parce que Barumbu s'est détérioré à l'époque de Kabila. Barumbu s'est détérioré à l'époque de Kabila, moi je ne peux pas préférer Barumbu de cette époque. De l'époque de Mobutu, c'est là où les avenues comme Congolo est asphalté, hein, Bakongo est asphalté, hein, et Kasai, c'était, n'en parlons pas, vous allez Itaga, c'était vraiment très bon. Au bon marché, partout il y avait l'asphalte, et il y avait la lumière aussi un peu partout. Et il y avait parce que la lumière efface quand même l'insécurité. Parce qu'on y a trop, le mouvement Kulona est parti de Barumbu, c'était à l'époque de Kabila. La première cause, c'est l'insécurité. Et dans l'obscurité. Parce qu'on avait le courant nulle part. Et il était impossible de rentrer chez soi, même en voiture. Pourquoi? Parce que vous ne voyez que dans la direction de vos phares. Il suffit de vous arrêter, les gens suivissent de toutes parts. Et ils vous agressent. Donc, le mouvement Kulona est parti de Barumbu. Le problème vient d'où? Le problème vient d'où? Vient de des manques de loi ou des manques d'hommes? Qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, je peux dire que c'est des manques d'hommes d'abord. Quand le régime Kabila s'est instauré, la première chose à faire, il a détruit l'administration. Il a détruit l'administration. Et il a changé les choses de manière que il y a des gens qui quittent un bourgmestre qui habite une autre commune. Et il vient juste pour ouvrir son bureau. Traiter quelques dossiers et puis une fois qu'il a terminé, ferme le bureau, il rentre dans sa commune. Et ce bourgmestre là, il est redevable à qui? Et il porte quel intérêt? C'était déjà ça. Donc on a commencé à nommer les membres de parti, les membres de ceci, les membres, on les a nommés un peu partout et c'est parti de là. Et aujourd'hui que le président Félix est en train de tout faire par une administration, une démonstration magistral de la démocratie, afin de ramener les choses comme il se doit. Alors vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes notable de Barumbu, vous avez vécu à Barumbu depuis très 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 longtemps. Et c'est pourquoi je suis allé, je suis candidat à Barumbu, j'encadre un bon nombre de conseillers communaux, des candidats conseillers communaux, pour que Bango de Togosala était tous à Bourgmestre à Malam, à Barumbu, Nele Kwezoya. Après ma ponomie, et puis, Bangope, Babandakolandela. Parce que l'autorité de l'État doit se vérifier à travers Bango. Et si Gagnon soit vendu dans le quartier, on soit là, quand même dans le bateau, Bazo Landela. Parce qu'on ne peut pas être dans, dans une commune où chacun fait ce qu'il veut. Alors, vous êtes même Bamakele, les Pamboué. Sur le côté de Barumbu, au Koyogage, les Alines, nous les partout. Nous les partout. Alors, Bilokonande, pour Nagosala Yango, et Sengela qui saisit l'opportunité. L'opportunité, c'est à ma ponomio. Kotia Batu à solo solo, c'est pourquoi j'ai dit que c'est d'abord un problème d'homme. Mais au souki na Barambouté, au Kéiti na Ngambo et Lukunga, Lukunga, les amonia na Bakomine et Bélé, comment est-ce que Zoka n'a qu'au relevé PDF na Ngambo et Lukunga? Et ça, le Kolande, au terme, ma maman, au tien ma colonne à cette, à tien ma colonne à Barumbu. Mais Moutou n'a pas mis son anglais en Lukunga. Ok. On a terminé à Barumbu, mais on a eu la Lukunga. Ma boko, na kubunda pe pour la Lukunga. On a eu la paix que oyo na zomona na Barumbu. Et puis, et ça presque le lenge moko, na oezo sa na, na Lukunga. Les lois sont tamboli na Banzela. Tamboli même na ma quartier Belé. Ma yoko mona,
et aux autres qui s'agit, ce n'est pas tellement différent dans ma cambouza la barumbo. Mais c'est un gars de Sikoyo, le Kunga, Oyezali, Toloba. Ils ont toujours prolongement et à ville. Le Kunga de Sika, bah tu as mis solo, hein, bah tu as maillé, bah tu es belé, Oyo, tout ça comme benga. Va évoluer quoi hein des c'est qu'on va vendre là bas quand tu vas bas pigeon bas ma campagne bas boy les lots sont comme ils ont mille dollars mille dollars on comprend d'até le coup quand des c'est qu'on va y pouvoir bateau yo bancomo bas notable à miner les miner au bas simi pouvoir et c'est qu'on va ça y vendre les lots sont tali malam bas kima bas comme ils ont soin là et les lots yo même banzela ils ont la carte les londe nandenge na moya les londe tata mokonzi numéro 20 Yenda Sali, Banzele, Banda Olonga, côté à Compage, qu'on a les autres, sur le Balamou, on a Ipen, Moussousou, les autres, donc, mais qui est Moussala Wana. D'accord. Ouais. Excusez-moi, vous êtes notable de Barombo, vous êtes candidat à Lukunga. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été votées à Lukunga lors des élections passées, 2011, 2018, 2006. Quand ils ont été élus, l'information ou ce qu'on apprend de la population, c'est que la population se sent oubliée par ses élus. Vous, est-ce que, dites, vous pouvez regarder la caméra et répondre, est-ce que vous promettez qu'une fois élu, vous allez militer pour que cette population trouve gain de cause? Et ça, le voilà, aux autres Nangaï. Et le quoi, les Makila Nanga? Na tu ko la Sabino akune mbwemino ke nazana ka nazamu kangemi akati ya prison même pas prison nakati ya ner sort na ngana ebi angote bako ko bomanga a tout moment parce que baipsanga le lot baloto bomayo mais na ye esika wana atana ozo moto bako boma bako se na ba bomanga mais na kuti bato bazonyo kwa mazo mona pasi na koki ko kanga mon côté o na zolo boyo na za devant caméra na koki ko kanga mon côté même bato nga na na gangela ba ibisanga yuza ko sa ki droit de l'homme ao ibi madame ke avocat ko takawa tenina yo ko na ba kamba droit de l'homme ao sor na yo o ibi ko tu angote o sa ko lo ba le ba droit de l'homme za to ko sugi sa yo nga na banga kite na ibisa ibango bozo ba mabatu bo sa la boye ainsi de suite. Et puis, bah, il y a la peine, il y a des gens qui vendent un peu de canis, mais bah, bon, il y a ça. On est en train de se faire. Ils ont essayé de passer solo, mais beaucoup de parlement, 21 000 dollars, et beaucoup de gens qui ont parlement, ils ont un quota pour les gens qui ont un quota. Si ils ont un quota, maman, oui, bien, dans l'équipe, le roi de Barcelone, ils ont un peu de joueurs, mon sou, au moins, ils ont un peu de temps. Ils ont un peu de Bah, bah, côté une équipe on, bah la moque équipe ben du commun, bah Maradona on, à côté on a Naples, Naples il va jouer tout le temps. À tel mise équipe on a été ben le bête à moto puis P, Bimini champion d'Europe. C'est pour dire que ils ont pas joueur, ils ont pas bête politique, ils ont pas défenseur de droits de l'homme de haute facture. Oh ok, soit côté Sika, au moins les lois ça m'a bien bah la moque Kimi, ma belle au moment on est ben du Kim. Les autres routiers, na moulini, oye, na mwinda outier, moulini et kimaka. Nde et l'autre salon au Parlement. Alors, c'est ce que vous allez faire, vous comptez faire au Parlement. Les problèmes sont nombreux. Oui. Il y a, on va dire, dette publique, croissance, chômage, insécurité, importation, tout ça. Est-ce que vous pensez que, au niveau de, du gouvernement, les lois que les députés nationaux votent sont appliquées? Bon, je peux être franc. Oui. Bah, nous, on les a vraiment solo appliquées. Ils ont solo appliquées. Qu'est-ce qui empêche? Le facteur, ils ont ébélé. Ils ont ébélé. Mais pour ce qui me concerne, dans ce banc, ça a été ce qui n'a commis ici, dans la tchoyo, il y a une immunité. Il y a commis une carrière à côté de moi, gouvernement. Il y a commis une carrière à côté de moi, ministre. Je crois que j'ai influencé ma cambrebele. J'ai influencé ma cambrebele. Parce que chaque jour, tout ça, là,
Awa lo vidwa na otego sala point de presse. Tozo sala yango me libanda. Est-ce que vous avez en considération? Oui, vous avez en considération, vous avez en considération. Mais ce qui est là, c'est que tant qu'on a pour le bateau, on a que vous le ministre, soit simité, on a bêtié, question orale. Je crois que, et vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de changer. Il faut baisser le taux de. Il faut baisser. On apprend que le salaire. Quand tu as la politique, nous sommes dans le monde. Moi, je suis un peu salaire. Vous appelez moi, Bani, nous sommes un peu de moi, Maïle. Mais Christopher, il y a un peu de parlement. Sinon, il y a ce qu'il faut faire parlementaire, tout faire député. Mon solo, il y a un peu de salaire. Sinon, il faut faire un peu de salaire. Il y a une réduction et un train de vie des institutions et qu'on profite de la population. Il y a normalement, sinon, il y a un peu de faux députés. Je vois combien. Bon, tout ça dans l'esprit, il y a une. Ya ma bété. Et Sengeli, les fouteurs parlementaires, ils ont la paix par solidarité dans le reste de la population, ils ont la paix dans moins équilibre. Dans moins équilibre. Attaque, les fouteurs, ceux qui sont parlementaires, ils ont fait un bon travail, ils ont fonctionner et ils ont sauté. Ils ont travailler et ils ont. Mais ils ont laissé ce que moi, solidarité à niveau. Ce qui. Ma coquille a quitté sa salaire, il y a ma député Zaté. Au moins, il y a sa salaire, il y a pas tout. Il y a un pays de matériel comme à niveau mon coboué. Ce qui est un peu de député à Salamoussa, il y a un malam. Et c'est un peu de temps à la foutre à Owana. Et c'est un peu total à paix. Batou, bas fonctionnaire, bas soda, bas barakissi. Pour pas Salamoussa, il y a un malam. Et c'est un peu de temps à la foutre à Yakomata. Tout le monde n'a pas de bon goût. Tout le monde a été fait pour que les ballons soient battus, ils ne sont pas foutus, tout ça, tout ça. Peut-être, tant que nous sommes empêchés, nous allons faire des choses qui sont en. Mais le temps que nous allons faire des choses qui sont en train de se faire, nous allons faire des choses qui sont en train de se faire. Début de ma vie. D'accord. On va finir, M. Christopher Goy. Alors. Vous allez regarder la caméra, dernière question, répondez, vous pouvez le faire même en Lingala. Un message à la population qui doit voter le 20 décembre, pourquoi elle doit choisir Christopher Ngoy le 20 décembre? Abarumbu et Alukonga. Abarumbu, beaucoup pour Ngaï. Ngaï Mourobel Robin. Défenseur, voilà qui ça. Kenan Lokelamboula. Bakake na Betela, et ainsi de suite. Naibi Moussalaon. Nanazo Senga, Bopesanga Moussalaon. Bakonzo, Bopesanga Moussalaon, les Abino, peuple souverain. Pinonde Bopesanga Angala. Bopesanga Angala, on a Nanazo Senga. Po Seve Nangai, Nautiko Lakisango Mamouke. Naibi Moussalaon, appelé Nausalon Wokitoko. Poko Sepela. Poko Sepela. Candidat député national 793 à Lukunga, les 67. Abarumbu, nous souhaitons bonne chance. Merci, Madame Naoubi. Merci, Matou Ndombingi Mwanamboka. Merci, Ndeko Christopher Ngoy. Et merci, Nabino Boulandi Bisso, partout à travers le monde. Donc, prochainement, nous invitons à nous soumettre toujours. Avec le même plaisir. Au revoir.